Ça pareil, comment je déteste. Et ça, je te passe ce que tu veux. Ouais, bingo, c'est du diesel. C'est super gras. Dans le premier rond-point qui sépare d'une station essence, il n'y a même pas de doute à avoir. Hein. Oh, ok. Ah ouais, ça lève. Bon, bah, bienvenue à bord du CBR. Hein. Non, oh, qu'est-ce que je dis? Du CB1000R. Donc on a fait le 650. Maintenant, on est sur le grand frère. Bon, les pneus sont comme le CBR1000RR en rodage plus. On va pas être trop débile avec. Bon, sur les premiers ressentis, en tout cas que j'ai, ça fait quelques minutes que je suis dessus, ça pousse vraiment pas mal. C'est très plaisant cette sensation de pousser qu'on a dessus. J'ai pas du tout l'habitude d'avoir des Roadster 1000 dans les bras. Donc c'est pour ça que déjà la Diavel, ça m'avait un peu surpris là aussi. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'avoir des 1000 sportives. Donc c'est vraiment plaisant en fait, parce que du coup, moi qui ai l'habitude d'avoir des 600, et ben là, ouais, ça me fait un vrai contraste. Et voilà, t'as une position assez décontracte, mais alors t'as un truc qui t'arrache les bras quand même. Hein. Enfin, qui t'arrache les bras, on va dire qui tire bien, quoi. Bon, forcément ça se met sur l'angle tout seul, vu que les pneus sont tout neufs, ils ont pas vraiment ils ont encore leur belle courbure, donc ça te permet de plonger sans problème, la moto se laisse faire sans résister. Bon, les suspensions, je les trouve pas incroyables, hein, par contre j'ai un peu de mal avec les suspensions, je trouve que elles m'envoient un peu balader dans tous les sens, elles sont assez raides. Je sais pas, j'ai du mal à les comprendre un peu là. Bon, en revanche, le moteur, qu'est-ce qu'il est bien. Hein, il te satellise dès que t'as envie, quoi. C'est l'avantage des Roadster, c'est que même si c'est du 4 cylindres, ça reste beaucoup plus simple à aller chercher la patate, d'aller chercher tout le couple. Comparé à une sportive où là faut vraiment la faire gueuler, sur un Roadster t'as quand même un peu moins ce besoin, la plage d'utilisation étant réduite. Olé, ouais, putain, les suspensions j'ai décollé. Il y a Quentin derrière qui vient de me confirmer que j'ai bien décollé de la selle. Bon, du coup, pour ceux qui connaissent un peu le CB650R qui ont vu la vidéo sur la chaîne, on n'est pas surpris, on retrouve un compteur assez similaire, plus lisible quand même, par contre plus lisible. Alors on a toujours ce défaut un peu luminosité qui normalement on peut augmenter sa luminosité. Maintenant, au delà de la luminosité, le côté blanc cassé sur fond noir, un peu old school Game Boy, je reste pas forcément super fan.
Ça pousse. Bon, maintenant on a quand même des petites touches esthétiques sur le compteur qui sont assez sympas. Bon, déjà il est plus grand, plus lisible. On a une petite partie un peu creusée là pour indiquer le rapport engagé. Bon, ouais, c'est sympa. Après, le petit kiff qui se sont fait que je trouve sympa, c'est les LED là sur la droite, vous voyez, qui sont là vertes et qui en fait changent de couleur en fonction du régime moteur. Enfin, si j'ai bien compris. Ouais, non, j'ai pas trop compris. Là, je sais pas pourquoi c'est vert. Là, c'est toujours vert. Ouais, je sais pas. Je pense qu'on verra avec Antoine tout à l'heure à quoi ça correspond. Parce qu'un coup, c'est vert, bleu, rouge, orange, je comprends rien. Enfin, je croyais que j'avais compris, mais... Ah, c'est marrant. Quentin, derrière, avec son street, il a un peu de mal à me suivre. Et je l'explique assez facilement. C'est bon, alors, au-delà de la différence de puissance, hein, clair et net, entre les deux véhicules, il y a aussi que pour tirer le maximum de l'accélération de ce véhicule, je reste assez haut dans les tours. J'essaie de rester dans les 7, 8, 9 000. C'est là où il y a tout le couple du véhicule. Et c'est vrai que du coup, bah, dès que je tourne la poignée, la réponse elle est immédiate et je m'envole, quoi. Et c'est vrai que Quentin, du coup, même s'il est dans les bons tours de sa bécane, l'avantage c'est qu'en ayant un 3 cylindres, du coup, c'est plus permissif au niveau de la possibilité de trouver le couple. Et bien moi, en étant haut dans les tours, bah, je suis tout de suite dans les bons régimes. Donc bah, boum, ça part comme une fusée, quoi. Bon, pour finir sur ce compteur, on a d'indiquer la puissance, le traction control et l'engine brake, donc le frein moteur. Ça permet tout simplement d'avoir un petit peu un visuel assez clair et précis de comment les aides sont enclenchées. Bon, en tout cas, cette petite moto, elle me plaît, même si c'est pas forcément un achat que je ferai. Elle file quand même de bonnes sensations. Le guidon, à mon sens, est un poil large, mais après, je suis de l'école sportive et pas de l'école roadster. Mais si je compare quand même à un ER6 ou à un Phaser, on a un guidon un poil plus large. On aime ou on n'aime pas, c'est ni un défaut ni une qualité. En termes de guidon plus large, ça apporte quand même, ça offre une meilleure maniabilité. Ça permet du coup d'avoir une direction plus souple, puisque forcément, plus tu t'éloignes, moins ça demande d'efforts pour emmener ton guidon, pour braquer ou contre-braquer. Donc voilà, c'est une remarque comme une autre, quoi. Bon, les rétros, c'est les mêmes que la 650R, sauf erreur de ma part. Très correct, on voit bien, pas de problème. C'est, en fait, au final, c'est juste une version un peu plus premium, un peu plus musclée du CB650R. Donc je pense que si tu es convaincu par celle-là, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas également par celle-ci, qui est une belle montée en gamme, quoi. On va changer de cartographie. Je suis en pluie, là. Tiens, on va essayer le mode pluie, un peu. Qu'est-ce qu'il vaut, le mode pluie? Ah oui, d'accord, oui, effectivement, le mode pluie, il est plus vieux. Non, mais c'est bien, si le mode pluie, au bout d'un moment, il change rien, ça pue. Non, le mode pluie, il calme vraiment les ardeurs de la bécane. Tu as presque l'impression de te retrouver avec le 650, quoi. Bon, j'ai pas parlé du freinage encore. Il faut pas éternuer, hein. Il est super sensible. Il freinera. Alors ouais, c'est du Tokigo. Bah, de toute façon, sur la CBR, c'était déjà pas du Brembo, donc j'aurais pas vu du Brembo là-dessus. De toute façon, c'est pas la philosophie d'un roadster. Mais ouais, le freinage est assez sensible et assez puissant pour le coup. Aujourd'hui, je pense qu'on peut plus vraiment se permettre de cracher au pif de marques comme Tokiko, etc., notamment quand c'est équipé en radial. Au niveau des performances, alors oui, pour des Marc Marquez, des Valentino Rossi, effectivement, ils trouveront une performance limitée, mais pour des mecs, entre guillemets, normaux, comme moi, comme d'autres, et comme la majorité d'entre vous, voilà, la différence, je trouve qu'elle est pas notoire entre un Brembo et ça. En tout cas, pour ce véhicule, putain, ça freine bien. On va se faire un petit freinage d'urgence à la cool. Ah, il n'y a pas de... Allez, 3, 2, 1. T'es pas derrière, je freine. Je m'arrête là. Ouais, mais ça freine bien. Ça freine bien. J'ai cru sentir la baisse légèrement sur le frein arrière. Mais voilà, il a été en tout cas suffisamment
suffisamment souple pour que je le devine sans que je sois sûr qu'il m'ait arraché le pied. Donc non, plutôt bien. Bon, elle est stable, hein. Bah franchement, elle est super stable, on est à 30 en pente. L'autre derrière, il fait pareil, là. Et le lui, t'es comme ça. Ok, là, je suis pas bien. Ah, ça... Oh, attends, faut que je passe une vitesse, là. Ah, c'est bon. Bah, franchement, pas dégueu, hein. Ouais. Il est pas mal, cet essai version piéton, là. Puis t'as des poules et tout. Voilà, on est en présence de la CB1000R de Honda. Donc c'est un roadster type un peu néo-rétro, avec une inspiration, je dirais, un peu café racer. Pour ceux qui ont vu la vidéo du CB650R, bah, on n'est pas perdu, hein, on est plutôt sur le même type d'esthétique. Avec bien sûr du coup un côté un peu plus massif, hein. c'est un 1000cc, le réservoir est un peu plus évasé, le moteur ressort un peu plus, ça correspond peut-être davantage à ce que moi j'aime, à un véhicule un peu plus massif, un peu plus stock, un peu plus trapu, mais qui pour autant ne fait pas non plus immense, ça fait pas empâter, ça fait pas, ça garde une impression quand même assez, assez légère, notamment quand on voit la selle qui est... presque aérienne en fait, elle semble pas maintenue par grand chose. Également le très joli monobras, donc qui nous laisse apparaître une belle jante qui, pour moi, sur l'esthétique, conserve un peu ce côté aérien. Et voilà, la roue elle est pas coincée, la selle elle est pas coincée non plus. C'est moi j'aime bien l'esthétique, en tout cas comment elle a été travaillée sur cette moto, même si je suis pas forcément fan du style néo-rétro. Je suis quand même assez curieux de comment tu fais tenir un passager sur un petit bout de selle comme ça. Bon, en vrai ça va, on est quand même encore loin de ce qui se fait sur les sportives. On est quand même loin de ce qui se fait sur les sportives, mais bon, pourquoi pas. La barre blanche, en fait, ça permet tout simplement de naviguer dans les menus. Donc, le compteur, comme je disais, il est assez lisible, il est légèrement creusé ici, ce qui donne un petit côté esthétique sympa. Pareil avec le pourtour là, il est un peu plus travaillé que le CB650R, on sent quand même qu'on est sur une gamme un peu plus élevée. Une jauge d'essence, pratique pour moi. Température d'huile, heure, et là c'est le ton kilométrage et ta consommation en direct. Ce qui est intéressant quand même dans le mode user, c'est que du coup tu peux régler de façon individuelle et indépendante le traction control, la puissance et le frein moteur, là où sur les modes que vous avez ici, c'est géré par groupe et tu peux pas gérer à l'unité les différents critères. Du coup, ce que je vous propose là, c'est qu'on va retourner à la concession. On va discuter un peu avec Antoine, qui est mon interlocuteur un peu privilégié chez Honda. Et il va nous en dire un petit peu plus sur la moto en tant que commercial de la marque. Il pourra un peu mieux la situer que moi et vous en parler de façon un peu plus pro. Parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui seraient intéressés pour l'acheter. Donc voilà, je pense que ce sera vraiment plus intéressant pour vous. Donc on y va. Donc on est avec Antoine. Bonjour. De Honda. Donc je vous en ai parlé quand même pas mal dans pas mal de vidéos. Donc il va vous expliquer un peu mieux que moi la CB1000R, pardon, un petit peu comment elle se place dans le marché, qu'est-ce qu'elle a à offrir par rapport à d'autres bécanes. Et il y avait aussi un petit peu, j'avais 2-3 questions du coup liées à mon essai. Ouais, ouais. Peut-être à la rigueur, on va commencer tout de suite par ces questions avant que les apps, ce sera mieux. J'ai vu que sur le compteur, il y avait des LED sur la droite, ouais, qui s'allumaient vert, bleu, même parfois rouge, il me semble. Et j'ai franchement pas réussi à capter donc déjà tout d'abord c'est le light shift qui va normalement intervenir pour t'indiquer ton changement de rapport. Ok. Ça c'est pré-réglé, donc c'est à toi en fait de décider quand est-ce que tu veux qu'il intervienne, plus ou moins tôt. Ouais. Et après la couleur va être aussi liée à ta conduite. Ok. Conduite éco, une couleur verte, conduite ouais, plutôt sport, tu vas taper sur le rouge. Ok. Qu'en fait en fonction de tes travail sur tes régimes moteurs, la LED va t'indiquer par la couleur si t'es dans une conduite plutôt soutenue ou pas. Parce que c'est vrai que j'ai essayé de faire crier un peu le moteur, je sais pas, la LED elle s'allumait pas de façon... Ouais, parce qu'en fait là sur les motos d'essai sont réglés, c'est un réglage à faire nous au départ par rapport au pilote. D'accord. Là en fait ça va dépendre aussi du mode.
Selon le mode, la couleur de la LED va être différente. D'accord. Selon le régime moteur, elle va être aussi différente. Donc en fait, ça, c'est des réglages qui sont normalement à prévoir au départ. Là, sur les motos d'essai, on le fait pas. Ouais, oui, forcément. Parce que ça doit répondre à tout le monde. Voilà, ça répond à tout le monde. Mais normalement, chaque utilisateur prépare sa moto pour que les LED interviennent au moment où ils veulent, surtout que ça vienne pas être dérangeant. Parce que je pense que toi, tu as dû ressentir parfois même une gêne parce que ça venait clignoter, tu savais pas pourquoi. En fait, c'est ça. C'est vrai que c'est que j'avais une couleur, je comprenais pas trop. Ouais. Alors, tu sais, j'essaie de trouver une logique en la roulant plus ou moins fort, en passant les rapports plus ou moins tard. Ouais. Et c'est vrai que ouais, j'avais du mal à choper la logique du truc. Ouais, donc c'est des réglages qui, normalement, je les explique au départ du véhicule lorsque le client vient la chercher. Mais c'est vrai que pour les essais, je m'attarde pas sur ces détails-là. Mais normalement, c'est quelque chose qui est pré-réglé. Ouais. Ça marche. Mais en tout cas, c'est intéressant ce côté un peu. LED avec la couleur qui s'adapte et tout. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que je voyais ça. Donc ça fait encore plus vivre ton compteur et ta moto, quoi, surtout. Ouais. On est en lien avec elle directement. Bah, disons qu'en plus, le compteur, c'est clair qu'il est pas sans rappeler la CB650. Ah, c'est le premier, donc c'est plutôt la 6,5 qui s'est inspirée de ce compteur. Ouais, d'accord. Parce que la première dans la gamme Neosport Café, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Honda a créé donc cette gamme Neosport Café qui répond, c'est un peu le même esprit que la marque DS chez Citroën. Ok. Ils ont vraiment voulu créer une marque dans la marque. Qui se décline donc sous 4 versions, 125, 300, 650 et la 1000. Mm. La première de cette Neosport Café, c'était le CB1000R, qui est arrivé en 2018, okay. qui a après ouvert la porte à la 125 et la 300, et seulement cette année est arrivée la 6,5 pour venir se greffer dans cette famille. Ok, d'accord. Et donc historiquement, la première conception, c'était sur le CB1000R, le compteur, c'était les premières touches que l'on avait. D'accord, ok, donc bah, ça explique du coup le lien. Mais de toute façon, tu vois quand même que sur la 1000, t'as... Il est un peu plus travaillé, il est même un peu plus lisible. Ils sont allés plus loin sur la 1000, sur la 650, ils sont pas allés aussi loin, puisque je pense que c'est aussi une notion de coût. Pour pouvoir avoir un produit qui, en 650, soit en budget intéressant dans son segment et dans sa gamme, ils ont dû forcément lésiner sur certains équipements. Sur le 1000, on a plusieurs modes de conduite, mode sport, etc., grâce à l'accélérateur électronique, que sur la 6,5, on n'a pas. D'accord. Parce que c'est encore des choses qui... En termes de coût à l'usinage, vont se ressentir sur le prix final du produit. Après, on retrouve quand même sur les roadsters d'aujourd'hui, quand même des technologies qu'on n'avait pas. Bien sûr. Sur les roadsters à l'époque, donc il y a quand même une progression qui a été effectuée largement. Sur les roadsters. Même de base, sur la 650, vous avez quand même un système anti-patinage, traction control, qui c'est plus ou moins un équipement standard sur une moto qui, en fait, sur des roadsters avant, n'avait pas du tout ces assistances. Bah, moi, j'ai un vieux roadster à 98, je veux dire, voilà, t'as un moteur défend des roues, puis roule, quoi. C'est ça. J'avais une question, j'ai trouvé les suspensions un peu en retrait sur le 1000R. Ouais. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a un réglage à affiner ou si... Encore une fois, ça, c'était comme sur ta vidéo pour la 650. Ouais. Sans parler de ton gabarit, parce que bah après il n'y a pas des tailles standards en vérité, non, mais là il y a un léger message subliminal. Mais c'est que tu avais attaqué en disant oui, mais bon, je fais le poids que je fais. Mais en fait, sans parler de ton gabarit, normalement on devrait pouvoir jusqu'à... Je pense que tu atteins la limite haute, mais tu devrais rentrer normalement dans les cotes, on va dire, d'utilisateur standard. Normalement, on a des pilotes qui font 50 kg, on en a d'autres qui font 120. Mais c'est vrai que d'origine, les suspensions sont prévues pour pouvoir accueillir normalement une personne de 80 kg, on va dire. C'est la moyenne pour eux. Donc c'est vrai que d'origine, même sur la 6,5, ça demande à être un peu durci. Sur le 1000, même si d'origine elles sont quand même plus performantes et plus travaillées, ça demande quand même, quoi qu'il en soit, des réglages. Sur un CB1000R, c'est un roadster qui tend vers le roadster sportif quand même, carrément sur le roadster sportif. C'est des suspensions qui demandent à être affermies pour pouvoir retrouver ce caractère sport, justement. D'emblée, on est sur une moto qui doit pouvoir correspondre un peu à tout le monde. Donc c'est vrai que ça peut manquer un peu de fermeté. Sur une utilisation un peu poussée, on pourrait ressentir un peu les limites. Ouais, mais en fait, j'ai eu des mal à les comprendre. En fait, parfois, je trouvais un peu raide, un peu molle. Enfin, j'ai eu du mal à positionner. Mais bon, après. Après, c'est vraiment. Je pense qu'il y a des réglages qui vont être faits propres à chacun pour retrouver la configuration qui correspond. Après, pour moi aussi, je pense qu'on est sur un roadster. On n'est pas sur un CBR1000RR. Donc, on est aussi. Au bout d'un moment, tu peux pas demander une qualité de suspension, qualité top à tout niveau, avec un véhicule qui va être à un prix beaucoup plus accessible. Et on a un CBR1000RR à 18 000 euros contre un CB1000R à 13 000 euros. Voilà. Les 5000 balles, je pense que tu vas les retrouver sur des petits détails. Alors, attention. Je dis pas que les suspensions sont mauvaises, elles sont bien loin d'être mauvaises. Mais on n'est pas sur l'hypersport. Voilà, c'est vrai que ça, c'était... Après, comme tu l'as dit, ça reste du roadster, donc il faut quand même qu'on trouve une certaine polyvalence. Aujourd'hui, il y a des gens qui roulent en roadster toute l'année, mais en ville, par exemple. Ouais. Ils vont sortir quelques week-ends pour faire des balades, mais leur utilisation principale sera de la ville. Même si c'est pas réellement prévu pour les roadsters à la base, il faut quand même pouvoir avoir une moto qui y réponde. Donc, en fait, on retrouve plein de choses
mais dans... En fait, on peut tout faire avec, mais on peut pas aller aussi loin de partout. C'est ça, la polyvalence empêche la performance. Exactement. Sur un segment spécifique. Mais après, c'est vrai que j'ai trouvé au niveau du comportement moteur qu'elle était très permissive. Hein. Elle permet des reprises à très bas régime. Alors ça, c'est vraiment propre au caractère moteur de chez Honda. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est ce que je te disais souvent lorsqu'on discute avant les essais, c'est quelque chose qui est reproché, on peut retrouver un peu cette linéarité en fait qui est souvent mise en avant chez les moteurs Honda, ce côté un peu manque de fun, manque de coup de pied, et qui en fait vous propose un moteur qui sera à plein de partout, qui vous permet réellement de la puissance et réellement une performance. Ouais. Par contre, c'est vrai que... super bien, voilà. Quoi. Reprend super bien, c'est vraiment un velouté, quoi. T'as pas une salade de piston qui te pète à la tête. Alors, il y en a qui aiment bien les salades de piston qui vont pouvoir cravacher avec leur moto, mais c'est vrai que quand on veut. Ouais, mais au quotidien, t'as peut-être plus envie de facilité que de caractère. On n'a pas tous le même niveau de roulage aussi. Hein. Je veux dire, moi, je serais pas capable de maintenir une moto aussi puissante qu'un CB Miller si j'avais pas un produit qui serait un peu plus simple à l'utilisation de par son agrément moteur qui va être souple. Et puis. C'est un moteur qui reprend partout, donc on n'est pas constamment obligé de jongler sur le sélecteur pour retrouver du régime, un bon régime et un bon couple. Donc c'est vraiment quelque chose qui... C'est un peu, on retrouve l'esprit du compromis des trois cylindres. Ouais. Ouais. Ce manque de caractère qui parfois peut être souligné par certains, mais qui en fait va t'apporter de la sécurité et puis surtout du confort. Quoi, et puis qui est permis par le moteur qui a un 1000 et qui du coup la cylindrée, entraîne quand même. La cylindrée, elle vient en renfort vient rattraper, par rapport à 6,5. Quoi. C'est vrai. Et du coup, au niveau du positionnement de la moto aujourd'hui... Là, on va être sur un segment. Alors, on est sur du roadster sportif, mais on est plutôt sur du néo-rétro, puisque l'esprit de Sport Café, en fait, on veut refaire des cafés racers de nos jours, en fait. C'est un peu l'esprit. Après, c'est vrai que dans le segment, clairement, je pense que cette moto, quand elle est sortie, on était là pour contrer la United chez BMW. Ouais. C'est la première dans l'esprit néo-rétro arrivée avec l'optique rond, sous cette forme de café racer des temps modernes. Donc le CB Miller est venu pour se placer en direct. En plus, en termes de budget, on était dans des paliers similaires. Après, c'est vrai que on a eu du mal à détacher de l'ancien CB Miller, puisque ces lignes un peu plus anguleuses de l'ancien CB Miller, un peu plus tranchées, plaisaient. Là, aujourd'hui, on va sortir, on change de clientèle, je pense. Ouais. On est plus sur une clientèle de, je dirais, 35-55, ouais, qui cherche la sportivité, mais sur une moto tous les jours, en fait. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que c'est... En tout cas, sur le 1000, c'est clair. Et je trouve que d'avoir déporté cette esthétique sur des modèles un peu plus accessibles, moi j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont fait des retours sur le CB650R et qui étaient contents de se dire aujourd'hui, moi à deux, la CB Miller me fait kiffer. Je peux en avoir un modèle un peu réduit, mais qui est. Mais même en allant plus loin, pour la petite histoire, j'ai vendu un CB Miller à un client qui roulait en VFR 800, donc il voulait complètement changer. Il avait prévu de rouler avec sa femme au départ, donc il avait pris le VFR 800, mais en fait, ils n'ont jamais roulé ensemble. Donc, je me fais plaisir, je change de moto, je prends un CB Miller. Et trois semaines plus tard, sa femme est venue nous acheter la CB125R. Putain. Parce qu'elle voulait la même moto que son mari, mais en petite. Et ils partent tous les deux en balade avec la petite sœur et la grande sœur. C'est assez rigolo, donc en fait je pense que c'est aussi ça qu'on a voulu retrouver. C'est une identité qui a été vraiment créée pour pouvoir proposer à tout le monde une moto qui fait plaisir aux yeux, mais sans forcément aller taper sur des budgets importants, parce qu'aujourd'hui chez BM, il n'y a que la 90 qui est dans ce look là. Donc en fait, si tu n'as pas le choix de la cylindrée, si tu en permis à deux, en fait, t'es bloqué, tu peux pas avoir l'esthétique qui te plaise sur une moto que tu peux atteindre. Puis on va pas se mentir, mine de rien, la CB Miller, elle arrache, honnêtement. Alors, certes, c'est pas un hyper sport, mais bon, t'en roules, elle te tire les bras quand même. C'est le même moteur que la CBR Miller, donc ça se remarque pas tellement parce qu'il y a quand même un agrément qui est complètement différent, puisqu'on est sur une sportive, donc il a été retravaillé différemment sur la CBR Miller. Mais sur les trois premiers rapports, donc 1, 2, 3, le CB Miller est censé, et c'est le cas, est plus rapide que le CBR Miller. Ah ouais, ok. Jusqu'à la troisième vitesse, tu déposes le CBR Miller, par contre derrière, 192 chevaux contre 145, donc on sait que sur la longe, le CBR va revenir au galop. Mais en fait, ils ont vraiment voulu donner tout sur l'impact au démarrage, parce que de toute manière, aujourd'hui, en roadster, les sensations, tu l'as à l'accélération, à la reprise de la moto. Donc c'est ce que tu vas chercher. Un peu moins la vitesse de pointe, puisque pas de protection. Donc aujourd'hui, à la 200 avec un roadster, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. Quoi. Ouais. Par contre, avoir une moto qui a de la pêche, sensation de poussée, c'est exactement qu'il y a de la reprise et qui te donne l'impression d'avoir du coffre, c'est justement ce qui est le plus intéressant. Donc ils ont vraiment réussi à travailler sur un bloc similaire, mais avec il y a deux agréments complètement différents. Ok. Je sais pas s'il y a des choses que tu avais envie de dire ou quoi. Après, je pense que le mieux pour pouvoir parler de tout ça, c'est de venir essayer la moto. Ouais. Donc la chance que j'ai, c'est de pouvoir travailler avec toi et
comme essayeur moto, tu es quand même assez objectif, donc c'est quelque chose d'assez plaisant de pouvoir avoir un vrai avis sur la moto. Mm. Pas quelqu'un qui va me faire plaisir ou qui va être trop critique, parce qu'il y en a qui sont trop critiques aussi. Ouais. Faut savoir trouver le juste milieu, dire le oui, le pour, le contre. Donc, je pense que pour tous tes fans de ta page, le mieux c'est de venir nous voir, faire les essais qu'ils ont ciblés pour pouvoir eux-mêmes pouvoir palper la réalité. Moi derrière, j'essaie de traduire au mieux mon ressenti, j'essaie de mettre en perspective ce que j'en pense. Maintenant, le mieux, voilà, c'est, je pense que tu seras à même de les accueillir. Moi, j'ai eu aucun problème, c'est toujours super bien passé. Donc voilà, venez, faites les essais. Si vous n'êtes pas à Lyon, ailleurs, rendez-vous dans vos concessions la plus proche. Mais voilà, si vous êtes sur Lyon, vraiment venez ici. Et je pense que le mieux, ce sera de vous faire votre avis vous-même. Avec plaisir, on vous accueille sur Damoto Lyon. Et ben voilà, nickel. Merci. Bon, et ben on se retrouvera bientôt de toute façon encore chez Honda pour un autre essai. Je vous dis pas lequel, mais ça va être du lourd de ouf. Et voilà, ce sera toujours fait avec plaisir. Donc ben, merci à tous. Comme d'hab, un petit commentaire, les mecs, vous connaissez le bail maintenant. J'aime tout ça, abonnez. Vous connaissez le truc. Allez, merci à tous. À bientôt. Merci Hugo.